Vous allez bien, en tout cas moi je vais grave bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, pour les personnes qui veulent participer pour tenter de gagner un Drip Ink ou alors Pixel, c'est simple. Vous avez juste à être abonné à ma chaîne, à liker cette vidéo, commentaire votre petit pseudo MSP, ainsi que ce que vous voulez gagner. Donc si c'est un Drip Ink ou alors Pixel, vous mentionnez dans votre petit message. Encore GG à la dernière personne qui a gagné durant ma précédente vidéo, encore GG à toi. Donc n'hésite pas à aller dans tes cadeaux et à donc ouvrir ton petit item de collection. Avant que je commence la vidéo, j'en profite aussi pour vous dire, parce que oui, j'ai reçu quelques commentaires sur ce sujet là, oui c'est moi qui ai changé le nom de ma chaîne, donc vous avez pu vous remarquer, normalement mon pseudo c'est Chocolat & Vanilla espace MSP et maintenant mon pseudo c'est Chocolat & Vanilla avec le H, donc pour les personnes qui sont pas au courant, mon compte Chocolat & Vanilla, mon compte principal a été bloqué, donc à partir de maintenant mon nouveau compte principal c'est Chocolat & Vanilla avec le H, donc ouais ça me saoule un petit peu que tout a été bloqué, mais si vous n'avez pas vu la vidéo vraiment je vous conseille d'aller la voir, elle sera dans le petit i en haut à droite de votre écran. Mais donc du coup j'ai aussi changé tous mes réseaux sociaux, donc mon TikTok, mon Instagram, mon Discord, mon Roblox, bref, tout. Donc si vous voulez le prononcer, vous avez le droit. Et en sachant qu'en français ça va parce que à la fin tu vois des mots, s'il y a un H, bah, généralement on le prononce pas. Donc après ça me dérange en aucun cas, si vous le prononcez, vous le prononcez. Mais si vous êtes un jour au téléphone et que vous dites oui, t'as pas vu la nouvelle vidéo de Chocolat & Vanilla et que vous et que vous prononcez bien le H, et bah du coup ça va faire un coup d'haleine à votre interlocuteur au téléphone, ou alors ça va faire un coup d'ASMR, donc vous faites comme vous voulez honnêtement. Et puis vous avez pu voir le titre de la vidéo et vous avez pu voir je pense sûrement la miniature. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer des astuces, enfin des techniques, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ouais des astuces, des choses à faire pour essayer d'être VIP sur Movistar.net gratuitement, parce que oui normalement il y a des prix pour devenir VIP, pour avoir des avantages sur le jeu, mais vous pouvez aussi devenir gratuitement. Donc moi je vais pas vous montrer des hacks et des générateurs, d'ailleurs si vous voulez que je teste des générateurs en VIP en vidéo vous me le dites dans les commentaires, mais non ça sera genre vraiment des astuces pour devenir VIP. Alors commençons. Alors la première chose qui je pense est la plus connue, vraiment je pense qu'on va aller du plus connu au moins connu, comme ça ça va être la rareté tu vois de la chose, c'est tout simplement d'avoir un ticket VIP. Donc ouais c'est vraiment la chose la plus connue, vous allez me dire mais ça je le sais. Donc c'est pour les personnes qui sont pas au courant et qui savent pas ce que c'est qu'un ticket VIP, c'est en fait en étant VIP un an sur Movistar.net ou alors en se faisant un pack diamant, je vais vous montrer ça tout de suite, sur Movistar.net, alors bah on arrive à recevoir un petit ticket VIP. Donc ce ticket VIP c'est la personne qui s'est fait le pack ou alors le VIP qui le reçoit, et donc ça donne la possibilité à la personne de donner le ticket VIP à qui elle veut. Donc si elle veut le donner à son ami, elle le donne à son ami. Si elle a envie de l'offrir à son propre compte, son deuxième compte, elle peut se l'offrir, par contre elle peut pas s'utiliser à elle-même. Et donc à partir du moment où le ticket VIP est envoyé à quelqu'un, alors il reste sur ce compte là ou alors la personne elle peut avoir la possibilité de le renvoyer ou alors de le garder. Mais si la personne reçoit le ticket VIP, elle peut pas par la suite le renvoyer à quelqu'un d'autre, non c'est... Elle peut pas donner à quelqu'un d'autre, c'est vraiment elle le garde sur son compte, elle l'ouvre ou alors elle le renvoie à la personne. Malheureusement moi je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de ticket VIP sur ce compte, j'ai jamais reçu de ticket VIP sur ce compte vu que c'est un nouveau et que mon ancien il en avait, mais du coup il a été bloqué. Vraiment encore merci aux personnes qui m'ont offert des tickets VIP, j'en avais fait de façon des vidéos et je les avais ouvertes de façon en début de vidéo, je les ouvre tout le temps en début de vidéo ou alors en live. Vraiment encore merci à vous, ça fait trop plaisir. Et donc la deuxième astuce qui je pense là est un peu moins connue, je pense qu'elle est quand même connue mais elle commence à devenir moins connue, c'est tout simplement d'aller dans les créations et d'aller dans les compétitions. Vous allez me dire mais c'est quoi Jamy, mais c'est quoi Choco? En fait c'est tout simplement, il y a écrit compétition Grit, soumets ton film avant 6 jours et 6 heures, crée un film super cool sur le thème de Grit en utilisant les accessoires et meubles du thème de cette semaine, tu peux bien sûr y ajouter d'autres choses, bonne chance. Donc là voilà on a fait un petit récapitulatif, c'est tout simplement le fait de soumettre un film à la compétition, ou alors il y a plus autre chose mais là en l'occurrence c'est un film, de soumettre un film à la compétition sur le thème d'actuel. Et donc ils disent qu'on doit utiliser des accessoires et des meubles du thème pour en fait avoir le critère. Voilà, donc c'est le critère, c'est il faut utiliser des choses du thème actuel. Et donc là ils nous disent faut soumettre le film avant 6 jours et 6 heures, sinon il n'y aura pas le temps et puis sinon ça va être trop tard. Et donc ils disent les prix
Bon, pour le premier prix du VIP 14 jours avec 14 diamants et 3000 star coins. Le deuxième prix, c'est du VIP 7 jours, 7 diamants et 2000 star coins. Et le troisième prix, c'est du VIP 3 jours avec 3 diamants et 1000 star coins. Et puis là, on voit donc les films. Dans cette petite catégorie, on peut voir tous les films qui ont été soumis. Ensuite, on a les commentaires. Donc là, on voit, il y a les personnes qui disent ouais, hey, les gens, votez pour moi s'il vous plaît, etc., etc. Et ça permet vraiment de demander en plus. En fait, je sais pas, ça va donner de l'activité un petit peu au jeu. Si tu vas voir les personnes, tu leur demandes ouais, est-ce que tu peux voter pour moi pour la compétition, etc. Et ça peut en plus vous redonner un peu plus d'entrain pour le jeu, parce que je sais que des fois c'est un peu plus ennuyant. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'ennuie sur MovieStar.net. Si tu l'as pas vu, la vidéo elle s'affichera dans le petit i. Et sinon, il y a aussi pour les artbooks. En fait, il y a ça pour les films, il y a ça pour les artbooks. Les artbooks, les prix c'est 5 jours, 2 jours, 1 jour. Les looks, bah pareil, il y a 5 jours, 2 jours, 1 jour. Bon, après, de plus en plus on passe, ouais, par exemple dans les films, artbook, look, chambre, et bah de plus en plus les prix diminuent. Donc là, ouais, on a 5 diamants, 2 diamants, 1 diamant, 1000 star coins, 600 star coins, 300 star coins. Donc après, c'est vraiment le VIP qui nous importe, tu vois. Les star coins, après, tu peux caresser les pets, mais là, ouais, 5 jours, 2 jours, 1 jour. Donc je pense que vous avez un petit peu compris le concept. Bah, c'est un petit peu comme ça, l'astuce, la compétition, ça peut être aussi un bon moyen de tenter d'être VIP si vous êtes vraiment déterminé et que vous voulez vraiment, vraiment tenter d'avoir du VIP gratuitement. En tous les cas, on n'a pas réellement le choix, donc on essaie de le faire avec, et bon, ça peut être aussi une bonne astuce à prendre. L'autre chose à savoir sur comment être VIP gratuitement, c'est le fait que MovieStar.net, ils sont vraiment chou des fois. Non, vraiment, il y a des fois, ils font vraiment des choses, c'est vraiment tellement gentil et tellement bien, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ça, il faut que j'aille sur mon Instagram. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon Instagram, c'est ChocolateVanilla. Pareil, oh, d'ailleurs, on a 3000 abonnés, on a bientôt 3050. OMG, OMG. Dites-moi dans les commentaires, vous, à partir du moment où cette vidéo, dès que vous allez aller dans mon Instagram, dès que vous allez regarder, vous allez voir, je serai à combien. On est de plus en plus nombreux, merci encore aux personnes qui vont s'abonner à mon Instagram. Et donc, sachez que moi aussi, je vous fais gagner de temps en temps des petits concours sur mon Instagram aussi, en plus de mes lives. C'est de vous faire gagner aussi du VIP en concours. Là, en l'occurrence, c'était avec gazetka.seller. On avait fait gagner un petit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur le profil de MovieStar.net. Donc, vous tapez MSP-du-bas global. Ouais, c'est bien ça, global. Là, normalement, on est censé le trouver. Ok, et ce qui est trop bien, je vais vous montrer, je vais descendre un petit peu. Vraiment, c'est le must. Mais après, il faut être là, tu vois. Il faut vraiment être là dès que ça se passe. Et parce que je sais qu'il y a des fois, ils le font. Voilà, c'est vraiment trop, trop, trop gentil. J'ai réussi à le retrouver. Comme vous pouvez le voir juste ici. Vous allez me dire, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont pas au courant de ça, mais c'est tellement bien. C'est MovieStar.net durant Noël, et je sais qu'ils le font pendant la période de Noël, mais aussi des fois autre que la période de Noël, pour ça qu'il faut rester à l'affût presque tout le temps. Et ben, ils donnent des petits codes de VIP. Donc là, vous pouvez voir, ils ont donné genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, et j'en passe vraiment. Ils ont fait ça combien de fois? Ils ont fait 1, 2, 3, 4. Ils ont fait ça 4 fois. Bon, là, il y en a moins. Mais 4 fois 26 codes, je sais pas si vous rendez compte, mais c'est vraiment trop bien. Genre, vraiment, pour le coup, ils ont vraiment fait un cadeau. Ça a été vraiment un cadeau, mais c'est vraiment sympa. Là, ils ont dit, bah ouais, premier arrivé, premier servi. Sachez que ça se passe sur leur Instagram, ou alors des fois, je sais que ça passe sur leur Twitter, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût. Mais sinon, sachez que dans tous les cas, là, ces codes là ont déjà été utilisés. Donc, ça sert à rien de les essayer. Vous allez juste perdre du temps, malheureusement. Mais ouais, donc tous les codes ont déjà été utilisés entre temps. Mais vraiment, je trouve que ça aussi, c'est une bonne astuce pour être VIP gratuitement. La dernière astuce pour être VIP gratuitement, ça se passe pas sur MovieStar.net là pour le coup, mais ça se passe non plus sur Instagram, mais ça se passe sur YouTube, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des vidéos pour être VIP gratuitement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi des lives, en l'occurrence moi aussi, de temps en temps j'essaie de vous faire des lives pour vous faire gagner du VIP, parce que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Oh my god. Les personnes qui n'ont pas la référence, je peux rien faire pour vous. Non, plus sérieusement, je sais que ça fait toujours plaisir, donc je sais de temps en temps de vous faire gagner du VIP, et je sais qu'il y a aussi plein d'autres youtubeurs, youtubeuses, MSP qui vous fait gagner du VIP. Après, faites attention de savoir différencier si c'est fake ou non, parce qu'il y a toujours des personnes qui essaient de faire ça alors que c'est complètement fake, juste pour gratter ce qu'ils peuvent, et ça c'est vraiment malsain. Donc faites très attention, mais il y a pas mal aussi de vidéos et de lives qui vous permettent d'avoir du VIP gratuitement. Moi aussi, je vais essayer là plus souvent de vous faire gagner du VIP, je vais vraiment essayer de le faire plus souvent. Et pour terminer, parce que c'est bien... Oh, attendez,
Mais quelqu'un m'a offert un drip. Oh, merci beaucoup pour les... Non, mais attendez, la, la légende, c'est... Oups. Ah, mais c'est Joyce. Merci beaucoup pour ton drip. Et Joyce, elle est vraiment culottée. Attendez, parce qu'elle m'a offert genre plein de drip et de pixels. Et que je lui dis genre, ça fait beaucoup là. Non, va falloir sûrement que tu t'arrêtes. Et elle a dit oups avec un smile genre... genre, pour moi, ce smiley, genre, il fait... non, mais je suis mort. Attendez, on va la demander en ami. Bah, même si j'ai déjà en ami, mais avec le bug, on sait jamais. J'ai fait un autographe. Et encore merci à toi. Je te fais encore des gros bisous, Joyce. Pour terminer, on va aller sur le site de Monistar Planet. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent eux concernant la question de comment être VIP gratuitement. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils ont genre modifié le truc aujourd'hui à 16h40. Mais what? C'est trop bizarre. En sachant que je tourne la vidéo, il est 7h36. Vraiment trop louche. Bref. Donc, ils disent Movistar Planet est un super jeu et l'on veut que vous en profitez au maximum. Nous savons qu'il est tentant d'essayer les méthodes d'autres Movistar pour devenir VIP gratuitement. C'est le moment de mettre fin aux rumeurs une bonne fois pour toutes. C'est simple. Tu peux seulement devenir VIP gratuitement si tu gagnes la compétition hebdomadaire dans Création. Tu ne deviendras pas VIP en changeant de mot de passe ou d'adresse mail. Tu ne deviens pas VIP en partageant ton compte avec une autre Movistar qui prétend pouvoir te faire VIP. Tu ne deviendras pas VIP en utilisant des sites web promettant de te faire VIP si tu donnes ton nom utilisateur et ton mot de passe. Tu ne deviendras pas VIP en t'inscrivant sur des sites web promettant de te faire gagner du VIP en récompense d'un téléchargement ou quoi que ce soit sur ton appareil. Tu ne deviendras pas VIP en utilisant un logiciel externe pour changer ta Movistar. Beaucoup de Movistar ont essayé ces méthodes si de fou pour devenir VIP gratuitement. Tu dois savoir que personne n'a réussi. Nous voudrions rappeler que toutes les Movistar qui sont devenues VIP sur Movistar Planet le sont devenues en achetant un pack VIP ou en compétition de la semaine. Toute personne prétendant pouvoir faire VIP différemment ne dit pas la vérité et devrait être signalée. Rappelle-toi que si tu suis les conseils d'autres Movistar pour devenir VIP gratuitement, tu pourrais perdre ton compte. Nous te souhaitons évidemment pas que cela t'arrive et nous voulons t'encourager à lire cet article pour apprendre à ne pas perdre ton compte et à profiter de l'aventure Movistar Planet très longtemps. Cet article vous a été utile, ouais. Moi perso, cet article m'a été utile. Donc là, il vous explique en grosses lignes, je vais vous faire un résumé, qu'il faut pas suivre les conseils en mode les hacks, comme je l'ai dit précédemment. Tout ce qui est hacks, les soi-disant méthodes pour être VIP gratuitement, les sites web gratuits, c'est complètement fake. Enfin, en tout cas, ils le disent. Après, si c'est vrai, je pense qu'ils vont pas mentir quand même sur leur propre site. Et qu'ils ont dit, bah, il y a la compétition si vous voulez. Et puis voilà. En tout cas, moi, si je vous le dis, je vous le dis honnêtement, si j'arrive à avoir une autre technique pour être VIP gratuitement, autre que celle qu'ils ont citée, je vous le dirai. En tout cas, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain live ou alors une prochaine vidéo.